salut tout le monde, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live au Sniper sur MW2, Intervention. Et je voulais faire de la guerre de territoire. Vous savez comment c'est? Alors là, c'était plein de mecs avec des M-bots. Vous savez, les mecs qui savent pas viser, qui savent même pas jouer, qui ont même pas envie de jouer, puisque tout se fait tout seul. Je me suis dit, ces mecs-là, c'est vraiment bidon. Alors, pour tous les mecs qui utilisent M-bots, j'ai une meilleure technique pour vous pour faire des gameplays de fils de pute. Vous allez voir un YouTuber que vous aimez bien, hein, que vous trouvez super fort. Par exemple, on va dire au Sniper, on va pas mage. Allez hop, tu prends un gameplay de pas mage, tu le mets sur ta télé, voilà, comme ça. Tu prends ta manette dans les mains et tu fais semblant de jouer. Et ben c'est pareil, parce que c'est pas toi qui le fais de toute façon, c'est une machine cocon, va. Et voilà, donc c'était ce que j'avais un petit coup de gueule à passer sur les mecs qui utilisent M-Bot. C'est n'importe quoi, si c'est même pas toi qui le fais, à quoi ça sert? Je me demande quelle est la satisfaction qu'ils ont à tuer des gens qu'ils ont... Ben c'est pas eux, c'est la machine qui le fait. Voilà, vous êtes des gros cons, ceux qui utilisent M-Bot. Si tu utilises M-Bot et que tu regardes la vidéo, t'es qu'un gros con. Voilà, c'est tout. Ça sert à rien de m'insulter derrière, je t'entends pas. Et puis je m'en fous de toute façon, puisque t'es un gros con et tous les autres te le diront, t'es qu'un con. Voilà. Donc voilà, donc j'ai voulu aller en mêlée générale. Et c'est pareil, il y avait des mecs qui sautaient à des kilomètres en hauteur. C'est vrai que c'est vachement utile, ça sert à... C'est génial. Ouais, je me suis amusé, j'ai fait un saut, j'ai dit bon, et je me suis barré. Bah, bon, bref. Et là, j'ai dit les petits matchs à mort, et puis là, ça jouait correct. Enfin, il y avait. De gens normaux, on va dire, tu sais. Oh, quelques lance-patates, quelques sulfates, mais bon. Du moment que ça hack pas, c'est tout ce qui compte. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne, en espérant de faire quand même une bonne petite partie et de s'amuser à l'intervention. Ça, la dernière fois, je crois que j'ai fait majoritairement du barrette. Et puis bon, bah voilà, quand même, on va faire de l'inter maintenant. Hein? C'est fini les conneries. C'est fini. Intervention camouflage automne. Enfin, normalement, c'est plutôt plus printemps. Non! Camouflage, ils disent printemps, mais non, c'est plutôt automne. Parce que, en français, je crois, hein, je suis pas sûr, j'ai jamais eu MW2 en français, mais je crois qu'ils disent camouflage printemps. Excuse-moi, mais regarde la couleur. Si en printemps, t'as cette couleur-là, je ne sais pas où t'habites, mais c'est pas terrible. Et surtout qu'en anglais, on dit fall, pardon, et la traduction, c'est automne. Voilà, donc tout ça pour vous tenir au courant que, bah, encore une fois, pour le jeu en français, ils se sont pas fait chier. Ils ont mis une traduction de merde. Et merde. Ouh. Oh, je l'ai échappé belle. Je l'ai échappé ultra belle, hein. Putain. Allez, c'est parti. Alors, il a déjà son arrière, l'autre, là. Oh la vache, il serait passé. Comment j'aurais été guest de la merguez. Wouhou! Allez hop, c'est parti! Voyons voir ce que ça fait. Il y a du monde ou pas? Ils sont en dessous, hein. Putain! J'ai voulu attendre et l'autre il me l'a volé, ça, le canaillou, va. Enfin, il me l'a volé, il a même pas fait de kill, je crois. Il est mort, hein. Putain, mais c'est pas qu'on les défonce en face, mais quand même, on les défonce! Je fais attention de monter sans me faire buter. Parce que souvent c'est un petit peu judicieux, tu veux passer d'un endroit à l'autre. Et là au même moment t'as un mec qui arrive et... Ah! Tu peux pas réagir, t'es mort. Ouhou. Allez go go go, je suis sûr que ça va réapparaître dans le coin là. Par contre j'ai plus trop de munitions. Oh, que je gâche pas trop. Ah, je voulais économiser mes munitions de snipe, du coup, et... Bah, il y avait un autre mec dans le coin, donc c'est un peu con, dommage. Et là, mon arrière, ça sert à rien que je le lance, puisqu'il m'aidera pas à voir mieux, donc... Puisque je suis mort, du coup. Alors, au fond... Merde, oh, comment je l'ai loupé comme une... Merde. Oh là là... Et je me suis fait toucher d'où? Attends. Ah, voilà. Oh putain, c'est dégueulasse, il y avait du monde. Regarde-moi ça, sale viandard, va. Putain. Ouais, je veux pas lancer mon truc, parce que bon, de toute façon, la partie, elle est quasiment terminée. Quasiment pliée. L'autre tête de... Putain, alors toi, t'es mort. Tu m'as saoulé, sale bâtard. Allez, hop. Je sais même pas s'il est pas déjà mort, mais... Ah non, ça, c'est un allié, hein. Ça c'est par contre c'est pas cool qu'on puisse, c'est ça le problème de MW2 puis d'autres de toute façon Call of Duty. Tu peux lancer deux arriers en même temps mec, déjà un arrier.
Ça fait grave chier alors deux. Voilà quoi. Oups. Bien joué, Matlock. Mais tu le sais pas encore, mais je vais te défoncer. Couteau de lancer, allez hop. Ah, j'aimerais bien qu'il entende le ch'ting. Il est où le mec? Ah, il est là. T'es sérieux? Putain, voilà, oui, je me disais bien. D'accord, Hitmarker, fait chier, bordel. Putain. Petite quad fit, ça ferait plaisir. Bon, c'est pas grand chose, mais ça ferait plaisir quand même. Merde. Luis Mariachi. Paye ton blaze, Luis. Allez, couteau de lancer, kill cam. Ah merde, j'aurais dû tenter le tinoscope. Bon, tant pis. Voilà, première partie qui s'est passée assez vite, hein, j'ai envie de dire. Bon, tant mieux, hein. Allez hop. On vous défonce, les types. Allez, après, je vous tente une trick shot kill cam. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça me rappelle un peu l'époque MW2. C'est vrai qu'à l'époque, à la naissance du trickshot, bon, le trickshot a toujours plus ou moins existé, même si le killfeed a toujours été à commencer. C'est vrai que sur Code 4, c'est là où vraiment ça a commencé, le killfeed. Et donc, on faisait des trickshots, mais c'est pas vraiment des trickshots, c'était plutôt des bounces, où on arrivait sur des obstacles et on sautait, on faisait des 3-6 ou peut-être un peu plus. Et après, ça a commencé justement la combinaison de changer d'arme, mettre la visée thermique, etc. Donc petit à petit, ça a commencé comme ça, tout doucement, le trickshot, pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui, des trucs de malade mental. Et c'est sur MW2 vraiment que ça, le trickshot a commencé, a fait un grand pas. Et pour moi, je trouve que c'est au moment où le killfeed, enfin quand Black Ops 1 est sorti, où c'était vraiment horrible le sniper. Aujourd'hui, ça a été patché, c'est mieux qu'avant. Hein. C'est pour vous dire à quel point c'était pourri avant. Et donc, plein de gens sont retournés sur MW2, et donc on jouait, bah, comme moi, c'est ce que j'avais fait. Hein. On jouait en recherche et destruction, on tentait des killcams. Alors à l'époque, rien que tu faisais un noscope de semi-across the map, c'est-à-dire que le mec aime juste une petite distance, noscope en killcam, t'étais fou, c'était go, putain, c'était malade. Rien que ça. Après, le niveau augmentait, il fallait faire un petit 3-6. Alors même déjà, un 3-6 sur place, c'était bien. Mais après, il fallait faire un 3-6 en l'air, etc. Progressivement, ça a augmenté comme ça, le niveau. Et c'est sur MW2, vraiment. Alors moi, j'en faisais au début un peu. Mais simplement, le fait de faire un 3-6 en l'air, sauter, tu finis un 3-6, tu tuais l'ennemi, ça s'est arrêté là. Je faisais pas plus. Ladder, à la limite, où tu allais sur l'échelle, tu faisais un tour sur l'échelle, et boum, tu sautais de l'échelle, avec un petit effet double triangle, c'est tout ce que je faisais. Hein. Pas plus, franchement. Et c'était déjà bien. À l'époque, rien que tu rentrais ça, mon pote, t'étais fou. T'étais... Ah, je veux dire, tu faisais des groupes de 6 avec tes potes, il y avait une bonne ambiance et tout. Tu faisais ça, t'étais la star du moment, quoi. Hein. Et bon, bah maintenant, c'est à peu près tout ce que je fais de toute façon, je fais pas plus. D'accord, avec un nom imprononçable, va te faire enculer. Toi, JC4L, comment tu peux expliquer aux gens de t'ajouter? C'est bien que tu joues au sniper à l'arme secondaire, c'est pas trop le but en fait, généralement quand on joue au sniper, c'est pour jouer au sniper, attends. Peut-être que c'est moi qui dis... En fait, finalement, je vois tellement de gens faire n'importe quoi, j'ai l'impression que finalement c'est moi le con, quoi. On va savoir. Attends. Toi, tu vas aller à la fenêtre. Je te sens bien. Oh! Il y a un ennemi là ou c'est que des alliés? C'est que des alliés. Putain, ça aurait été magnifique, t'imagines? Alors, attends. Voilà. Putain, fils de pute. Alors, toi, alors lui, c'est M21 fusil à la pompe. Et encore, le modèle, il a été patché aussi. Le modèle, c'était l'arme la plus puissante du monde. Vraiment. Je veux dire, tu prenais le modèle Akimbo, tu tirais de n'importe où. Ouais, j'étais un sniper en fusil à pompe, quoi. Vous imaginez un peu les dégâts. Attends. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, attends, parce que là, du coup, les mecs, ils se mettent... Oh là là, mais toi, t'es vraiment un enculé, hein. Heureusement que j'ai fait un kill, parce que là, j'aurais fait un 007. J'aurais été un petit peu triste. Où est-ce que c'est, là? En fait, c'est que je comprends.
Je comprends pas trop la stratégie au mec là en fait. Ça va arriver par là, hein. Voilà. Je sais qu'il m'attend. Hein. Ah, putain, hit marker en plus. Oh. Oh, je me serais fait tuer, mon pote. J'aurais pété un plomb, mais alors, violissimement. Qu'est-ce que je t'ai mis? Oh là là. Ah, il est mort. Pousse-toi! Ah, les mecs ils te bloquent ça, j'espère que ça sera un truc qui sera... Ça a toujours été un problème dans Call of, le fait de pouvoir bloquer les gens, que tu puisses pas les pousser un tout petit peu. Putain, alors toi je sors en secondaire, j'en ai rien à branler. Fils de pute, crève en enfer, bâtard, j'irai chier sur ta tombe. Et oui, une grosse merde bien dégueulasse sur ta tombe. Voilà, en l'hommage de ce bâtard, veuillez recevoir une offrande. Une bonne grosse merde. Ce qu'il mérite. Bah ben voilà. Alors là, j'ai l'impression que je suis quand même un petit peu dans leur coin. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un mec qui va me lancer une grosse patate là où je suis dans quelques secondes, normalement. Tu sais, l'énervement de me voir dans leur côté. Ou pas. Bon, bah écoute. Yeah. Merci de ne pas avoir sorti l'arme secondaire. Je me disais, le mec, il va sortir l'arme secondaire, c'est pas possible. Merci de ne pas l'avoir fait. Là, je t'ai pas insulté. Il est mort, hein. Ouais. Ils sont combien en face? Ils sont 6, hein, quand même. Ouh, il y en avait deux. Allez, je vous finis. Ah non, merde, j'avais le nom. Ah d'accord, il était derrière. Derrière, je crois qu'il était devant. Bon, bah, c'est pas grave, je me suis fait avoir, je me suis fait blouser. Bon, je le mets là généralement parce que souvent les gens se mettent dans les escaliers. Donc du coup, j'en profite pour faire mon petit beurre. Où sont les gens avec leur arme de grenouille? Merci. Oh, je lui aurais mis, mon pote. Oh, ça aurait été sublimissime. C'est pas possible. C'est pas possible. Putain, j'aurais kiffé mettre le couteau. Oh là là, genre le mec il te le lance, il te loupe, tu le reprends, boum. Genre un peu à la film western, tu sais. Ah, dans tes dents. Putain, ça aurait été classe. Et en plus, il y aurait eu la killcam. Ah. Allez, pour terminer, Favela, que je te vote. Ben oui. Ben j'aime pas Favela en fait. Donc je vais prendre... attends, je me suis trompé, voilà, magazine, chargeur amélioré, voilà, j'étais un petit peu parti ailleurs, chargeur amélioré, je sais pas si on dit exactement comme ça, mais je vais le dire comme ça, parce que je le préfère à balles chemisées, voilà, tout simplement. Je pense que balles chemisées, c'est un placebo, que les gens pensent avec balles chemisées font moins d'hit marqueurs. Faux, j'ai envie de te dire menteur, tu vois, c'est pas vrai du tout, c'est... Je referai, voilà. Non, alors effectivement, s'il y a un obstacle, là, tu as un peu plus de puissance. Mais sinon, non. Voilà. Chargeur amélioré. En plus, je crois que c'est le seul jeu où tu passes de 5 à 10, tu sais. Tous les autres, c'est genre 50%. Lui, c'est un 100% de plus. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Sauf le barrette. Je crois pas que le barrette, il mette 100% de plus. Oh, ça fait beaucoup quand même. Je ne sais pas. Mais bref, on s'en bat les couilles de toute façon. Hein. Allez, pré-shoot de Ayraz. Alors, j'ai mis juste du match à mort, justement, parce que.
J'ai pas le choix. Alors, parce que là, le pré-shoot de High Rise en guerre. Qui n'a jamais mis une triple sur le pré-shoot de High Rise en guerre? Toi? C'est un peu tard. C'est un peu tard, maintenant ça change. Maintenant, avant, à l'époque, on faisait les pré-shoots au sniper. Maintenant, beaucoup de gens font les pré-shoots au lance-patate, au javelin, à la T4, ou je sais plus comment on appelle cette merde, à la sulfate, tout sauf le snipe. Voilà. M21 aussi, ah, quelle bande d'enculés. Ceux qui font ça, M21, franchement, c'est un bâtard. Ah, tu te sens visé, c'est con. Putain, le troisième qui a pas pris. Il était juste derrière. Oh bordel, il y avait la triple. Hein. C'est dommage. C'est dommage, j'aurais pu faire la triple. Et là, t'es là comme... T'as l'impression que t'as une grosse chiasse, tu te concentres. Ouais, effectivement, à distance, l'intervention a quand même un manque de stabilité assez navrant. Pour ma part, je trouve. Tout à l'heure, j'en ai flashé un là. Je sais pas s'il m'a vu, non? Bon, bah écoutez. Ah, ça a changé de spawn. Ouais, bon bah écoutez. Du coup, je l'ai dans le cul, Lulu. Toi, décidément, d'un côté ou de l'autre, je te la mets. Hein. Oh, bâtard! Oh, t'as joué, mais mec, comme une merde. Hein. Allez, je vais te mettre un petit trickshot. Oh, j'ai tiré de l'autre côté. C'est pas grave, de toute façon, je suis pas un mec de trickshot. Oh, toi, fils de pute, regarde. Je sais pas si tu vas y aller, mais prends-toi ça. Non, j'ai mal visé. Hein. Il y a une époque où je savais les lancer, les couteaux de lancer, mais c'était avant ça. Maintenant, c'est fini. Hein. J'entends du bruit. Oh putain, je le savais. Hein. Lui, c'est vraiment qu'une grosse merde. Hein. Si tu pouvais aller te faire enculer, bah ouais, c'est ok. Tiens, et shot, motherfucker, bâtard. Ouais. Là, ta mère la pute, sale enculé. Rien. Oh, ah bah oui, forcément, M21, hein, tête de fion, tiens, prends-toi mon couteau dans les dents, ça te fera mal. Putain, même pas. Hein. Ouh. Oh là là, les deux alarmes secondaires. Alors effectivement, ça, MW2, c'était un truc de malade aussi. L'arme secondaire, le fusil à pompe en arme secondaire. Excuse-moi, quoi. Rien que ça. Rien que ça. Bientôt, il y aura les sulfates en arme secondaire. Non, vous inquiétez pas, les mecs. Allez, on va lui prendre son modèle Akimbo, là, pour voir ce que ça donne, un peu. C'est toujours rigolo quand tu vois un mec qui court avec le modèle Akimbo. T'as l'air d'un con. C'est pas permis, hein. Alors, attends. Parce que là... Ça a pas pris, hein. Il a passé par là. Modèle Akimbo, mon pote, je te défonce ta gueule. Allez, je me couche. M'en bats les couilles. Allez, viens. Allez, viens, gamin. Allez, viens. Non. Ouf. Ah, c'était pas lui. Lui, il m'a rejoint en plus. BinoX 49. Je suis désolé, mais c'était pas toi que je visais sur le coup. Je visais quelqu'un d'autre. Bon, je lui ai pris son truc. Je lui ai dit, on va s'amuser, hein. Eh, mon pote. Ils sont où d'ailleurs? Oh là là, bâtard. Ah, d'accord. Je sais où t'es, hein. T'inquiète pas, je viens pas de découvrir le jeu. Ouh.
Oh la vache. Ah, il faut rester zen des fois. Oui. Ça va, tu lags pas trop toi. Non, non, mais je voulais pas vous vexer, les mecs. Hein. Non, non. Oh là 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 là. Mais ça, c'est... ça n'existe que dans Call of Duty. Hein. Tu verras ça nulle part ailleurs. Exclusif Call of Duty. Voilà. Ça, c'est garanti. Tu vois pas ça ailleurs. Putain, c'est beau. Hein. C'est propre, c'est... Bon, allez, on va tenter un petit trick shoot. Merde. Ah, il a pris la CR. Ouais, bah oui, forcément. Voilà, moche. Je te headshot, mon pote. Hein. Allez. Du coup, est-ce que ça va se planquer un peu vu qu'il y a un arrière ? Je sais pas, hein. On va bien voir, écoutez, hein. On y va. Et lui, il lag, ce bâtard, hein. Ah ouais, hein. Ah, en face, il lag, en fait. Il y en a pas mal qui lag, hein. Du coup, c'est pour ça, un mec qui lag à tuer, c'est chaud, hein. Wouhou. Ouh là là. Ouh là là, ce que tu t'es pris, mon pote. Ouais, je l'avais vu qui s'allongeait. Je suis content de l'avoir placé. Non, ça a tourné le spawn là. Putain, pacemaker. Je comprends pas comment le mec peut avoir un temps d'avance sur moi alors qu'il a une connexion de merde. Faudrait m'expliquer un petit peu. Encore une fois, ça n'existe que sur Call of Duty. Exclusivité. Ah oui, ils ont l'exclu, hein. Sur toutes les consoles. Ils ont un partenariat. Y a pas moyen qu'on perde. Hein. Alors là, c'est une interdiction totale. Tiens, je vais prendre le bling. Ah ouais, il a mis... Ah d'accord. Capteur cardiaque. On souligne la performance. Noobistique. Ah, du coup... Je crois jamais avoir réellement utilisé le capteur cardiaque. C'est ça, bande de fils de pute, hein. Vous avez cru que vous avez gagné contre nous? Ah, et qui c'est le patron, là? PD, bah. Ça fait plaisir de gagner. En plus, tu vois, je reste humble. On gagne comme ça, moi je reste super humble. Tu vois, je suis pas du genre vraiment à frimer un peu. Pas du tout. Et voilà, pour terminer, on va se risquer un peu à la guerre de territoire. Vous savez ce que c'est la guerre de territoire sur MW2, ça rigole pas. Ah non, les mecs, ils rigolent pas, hein. C'est pas des comédiens, hein. C'est plutôt des enculés, généralement. Et c'est parti. Oh putain, on a vu direct le mec, il est sorti de lance-patate pour le pré-shoot. Ah, je me souviens de ce pré-shoot sur Subbase, surtout en recherche et instruction, il était fils de pute. Voilà, bon, ça joue explosif. Jusque-là, c'est normal, c'est du MW2. C'est pour ça que, de toute façon, tu joues que en guerre, hein. Enfin, que en match à mort, je veux dire. Alors lui, voilà, ça c'est pareil, c'est typique. En plus, il a une botte, donc comme ça, c'est cool. Casse-toi, s'il te plaît, merci. Allez, bouffe, bâtard. Hein. Tu me donneras des nouvelles de ta mère, enculé. Hein. Allez, on va voir, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Alors, il y a déjà tous les killstreaks du monde, d'accord. Bon, allez. Hein? Bon,
C'était... J'ai voulu montrer que c'était pas forcément de mauvaise volonté, que j'étais pas allé en guerre. Mais qu'est-ce que tu veux faire sans blague? Comment les gens peuvent s'amuser à jouer comme ça? C'est pas possible. Tu t'abuses pas. Enfin... ça dépend, remarque. Ouais, ça dépend. Pareil, si t'es un fils de pute, ça t'amuse. Un enculé aussi, tu t'amuses. Moi, je peux pas lui muter. Bon, allez, c'est parti sur Terminal Match à mort. Pour terminer ce petit live sur MW2, quoi de mieux que terminer sur Terminal? Oh, c'était même pas fait exprès en plus, je vous le garantis que c'était même pas fait exprès. Mais finalement, ça indique bien. La Terminal, c'est la dernière. C'est le Terminus. Enfin, je vais arrêter, je pense que vous avez compris le jeu de mots de merde. J'aimerais plus être là. Je vais mettre un écran noir, je vais disparaître. Je me fais tout petit. Alors, tout le monde a 4 barres, sauf moi. Sympa, sympa, non, non. Ah, tu vois, il suffit de se plaindre un petit peu. On fait bouger le schmilblixm. Alors, tout le monde va là. Bon, je vais aller là, du coup. Je suis pas à vous suivre, non plus. Ah, je sens déjà... D'accord. D'accord. Bon, ça commence bien. Ça commence bien, les amis. Oh là là, je me fais tirer dessus, je sais pas où il est le type, mais il s'en donne à cœur joie. Hein. Allez, pousse-toi. Je déteste, hein, vraiment, c'est trois que c'est partie de la chose que je déteste le plus, ça. Les mecs, ils te bloquent, les types. C'est ta, c'est ton équipe, c'est ta propre équipe. Il me l'a volé, hein, foiré. Oh, il y avait du monde. Comment ça, elle a pas pris la collate? Oh là là. Oh là là, oh le fils de pute, ya! Regarde-moi ça, lance patate et tout, le mec morphine. Oh l'enculé, oh là là. Est-ce que je lui ai mis à travers la fumée? Oh, il y avait trop moyen, mec, là. Putain, comment ça a pas pris? Oh, c'est dégueulasse, je suis vénère, vraiment, je suis vénère. Au fond de moi, j'ai envie de pleurer et tout, j'ai des alarmes aux yeux. Allez, te marque, hein. Oh, c'est dégueulasse. Oh, j'ai tiré un peu pas bien. Voilà. Allez, monte ta tête, monte ta tête, monte ta tête, monte ta tête. Fils de pute. Je crois qu'il y a possibilité. Oh là, tiens, ça va partir de l'autre côté. Jette mon tomahawk. Je ne sais... Tomahawk. Couteau de lancer, mais c'est pareil. De toute façon, c'est la même merde. Est-ce qu'ils vont arriver là? Ah là là, le monde! Dame Frénégonde! Oula, mon couteau est parti à l'arrière. D'accord. Je me fais défoncer. Et alors que je pourrais, moi, défoncer. Alors, petit coup de lag au même moment. S'il y a un mec qui arrive au sniper qui me tue là, je pète un plomb. Comme d'ici la peste. Je pète les plombs. Putain, je pète les plombs. J'ai tout perdu. Ma femme, mon gosse et mon job. J'ai plus rien à perdre, donc suce mon. J'ai pas dit de mot grossier parce que il n'y a pas de grossièreté sur ma chaîne. Hein. J'aimerais que vous le sachiez. Aucun gros mot sur cette chaîne-là. Hein. Bah, je tiens à garder quand même une image. Hein. Ça va niveau hitmarker. Alors déjà, quand t'arrives à mourir avant de tuer quelqu'un, tu sais qu'il y a un problème. Putain, mais c'est pas vrai! Oh merde, j'ai tiré à côté! Oh, c'est ma faute! Oh, c'est ma faute, c'est ma... Oh là là, j'ai déconné. Ouh, le couteau passe là. J'ai pas pris d'insertion tactique parce que franchement, MW2, c'est tellement long. C'est comme Black Ops 1, tu vois. Oh putain. Oh putain. Il est où?
Comment ça, le headshot est pas passé? Ah, voilà. Putain. Wouhou! On me flash! On me flash! On me flash! On me flash! C'est pas... On me flash, là! On me donne un magasin de grenades flash, là! Putain! Allez, c'est bientôt fini. Petite killcam couteau across the map. Unoscope. Non. Non. Putain, allez, c'est terminé, hein. C'est vraiment, vraiment dommage, parce que c'était une partie où il y avait vraiment de grosses possibilités, où non seulement bah, j'ai manqué un peu de précision, à un moment, franchement, c'est tellement rageant quand c'est ta faute. C'est rageant quand c'est la faute des autres, mais tu peux rien trop y faire. Quand c'est ta faute, t'es encore plus la rage. Je te dis, putain, là, la collate, il y avait collate single, je suis sûr qu'il y avait un quatrième qui traînait, j'aurais pu faire un truc. Malheureusement, ça n'a pas tapé. Puis bon, on peut dire que les baroudonneurs, etc., n'ont pas vraiment arrangé la chose, hein. Donc voilà. Bah écoutez, ça y est, High Rise, on va peut-être s'en refaire une autre. On va voir comment ça donne, hein. En espérant que la tambouille se passe bien. Allez, c'est parti sur High Rise. Donc j'ai coupé un petit peu parce que c'est un peu long, on n'a rien à branler. Voilà. Pré-shoot d'High Rise. J'espère qu'il y a du monde. Petite triple, voire triple headshot. Ça serait sympa, ça serait sympa, hein. Je vais prendre le barrette pour avoir un peu plus de stabilité à distance. Je trouve qu'il est un peu mieux au niveau stabilité à distance. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, en tout cas c'est comme ça que je joue et que je trouve que c'est mieux. Montre-toi, montre-toi, montre-toi. Tu te montres pas. Oups. Oups. Quoi? Attends, attends, quoi? Ah. D'accord. Allez, je reprends l'intervention. Trêve de plaisanterie, de rigolade et de boutade. En plus. Donc voilà, c'est tout pour ce live sur MW2 au Sniper Intervention. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous savez bien que c'est tout le but. Ça a été un petit peu rageant à certains moments où il y avait moyen, et à d'autres moments où bah, j'ai un peu déconné, ou bah, bref, c'est MW2, on le sait, c'est comme ça. En tout cas, ça fait quand même toujours plaisir un petit peu d'y retourner dessus, de pouvoir tatouer l'intervention qui est quand même un des meilleurs snipers de l'histoire de Call of Duty, qu'on aimerait tellement voir revenir, mais bon, pas trop se faire d'idées non plus. Voilà, en tout cas, c'est terminé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, donner votre avis, tout ça. Vous avez l'habitude, un petit pouce vert également, ça fait plaisir, c'est la récompense pour ma part. Je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que de bonne chose, et je vous dis à la prochaine, hey, ciao, bye.